mes frères que où je suis là, c'est pas bon. Ne tournons pas à rond dans notre christianisme, matin, midi, soir, dans des problèmes. Alléluia. Lorsque tu dors, lorsqu'on dit que tu es dans les doigts, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de Satan. Mais Christ vit en toi. Tu n'es pas un chrétien ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire, tu n'es pas un homme ordinaire, tu es extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. C'est que j'allais toucher ce soir, amen, non? Je suis là ce soir pour vous booster, amen, non? Je suis là ce soir pour vous encourager. Je suis là ce soir pour vous dire certaines vérités, c'est bon, c'est cru, alléluia. Mais souvent, c'est la vérité qui libère. Parce que nous sommes fatigués de venir toujours à l'église et repartir comme nous sommes venus. Nous sommes fatigués d'être des chrétiens professionnels. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 50 ans que nous sommes chrétiens et notre vie n'a pas changé. Ce matin, lorsque je venais de Seattle, et dans l'avion, j'étais en train de lire le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Et cela, c'est... Vous voyez la Bible, voilà pourquoi je dis toujours que cette Bible-là, elle est révélée. Alléluia. Des textes que tu as déjà lus, des versets que tu as déjà lus, n'est-ce pas? Toujours Dieu te dit quelque chose. Et je me suis vu obligé ce soir, n'est-ce pas, de venir partager ça avec le peuple de Dieu. Parce que reconnaissons que la jeunesse est très importante au sein, n'est-ce pas, de notre communauté ici présente. Amen. Et lorsque j'étais en train de lire, je me suis dit que si nous tous nous suivons, n'est-ce pas, ce que Paul est en train de nous dire, nous serons tous des chrétiens victorieux, n'est-ce pas, des chrétiens extraordinaires. Vous allez prendre avec moi le livre de 1 Corinthiens 3, que je vais lire à partir du verset 9 et finir au verset 11. 1 Corinthiens 3, je vais lire à partir du verset 9 et finir au verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes liés avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais, très important, écoutez cette phrase-là, alléluia. Mais, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. En tant que chrétien, tout ce qui est hors de Christ, il faudrait que nous fuyions, alléluia, nous nous éloignions. Il faudrait que ça puisse nous faire peur. Parce que tout ce qui est contre Jésus-Christ est contre nous. Tout ce qui est contre Jésus-Christ ne pourra pas faire du bien dans notre âme. Le jour où tu as accepté Christ, le jour où j'ai accepté Christ, ce fondement, n'est-ce pas, a été bâti. Alléluia. Mais bâti par qui? Bâti par Jésus-Christ lui-même. Et ce fondement qui est en toi, alléluia. Le fondement qui a été en bâti, qui est en moi, alléluia. Mais qu'est-ce que nous construisons, n'est-ce pas, sur ce fondement, alléluia? Qu'est-ce que nous posons, n'est-ce pas, sur cette fondation? Parce que la Bible est claire que car personne ne peut poser un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que Christ vit en toi. Tu dis que cette espérance de la gloire, n'est-ce pas, vit comme une réalité de ta vie. Mais est-ce que sur le fondement que Jésus-Christ a mis en toi, a mis en moi, est-ce que
frères et sœurs à notre Seigneur Jésus-Christ, nous bâtissons des choses qui feront plaisir à Christ. Est-ce que nous construisons la jalousie, la haine, le manque de pardon, les critiques, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à faire du mal à notre prochain? Ou bien, est-ce que nous construisons l'amour, le pardon, la bienveillance, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, au bien de tous ceux qui aiment Jésus-Christ de Nazareth? Vous n'êtes pas, je vous dis que, vous n'êtes pas des chrétiens religieux, alléluia. Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas, extraordinaires, où Christ vit en vous. Christ vit en toi. Et il a une fondation, n'est-ce pas, qui est posée en toi. Prendras-tu du sable, de la boue, pour construire, n'est-ce pas, cette fondation? Voilà pourquoi on a des problèmes. Voilà pourquoi dans nos foyers, ça ne marche pas. Voilà pourquoi dans nos études, on a des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi souvent, dans notre entourage, n'est-ce pas, avec nos collègues, avec nos amis, il y a des problèmes. Parce que sur la fondation que Jésus-Christ lui-même, il a posée en nous, nous construisons avec la boue. Alléluia. Nous construisons avec des choses qui ne respectent pas les normes de Christ. Et les normes de Christ, c'est facile. Je lisais dans l'évangile, Lazare et le riche homme, alléluia. Lorsque les deux sont morts, Lazare était au paradis. La Bible dit que Lazare était avec qui? Avec Abraham. Et le riche homme était où? À l'enfer. Et il y avait un gouffre, l'abîme, n'est-ce pas, qui séparait l'enfer du paradis. Donc le riche homme qui souffrait dans ce feu-là ne pouvait pas arriver de l'autre côté. Et il commence une conversation avec Christ, avec Abraham. Il dit à Abraham, envoie Lazare pour qu'il puisse dire à Lazare, à mes frères, que où je suis là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Non. Ils ont les livres, ils ont les prophètes, ils ont Moïse. Et le riche homme, il continue, non. Si lui, il part, si Lazare part lui-même, et Lazare part, parler, pas dire ces choses qui sont ici, ils vont croire. Abraham dit non. La fondation, la parole de Dieu qui est là déjà, s'ils ne croient pas à ça, ils ne pourront pas croire aux hommes. Combien de fois, vous et moi, les hommes, nous nous apportons les paroles, mais ils n'ont jamais respecté cela, alléluia. Et ce fondement ce soir, à travers ce que Jésus-Christ vient nous dire dans l'évangile, ce fondement, c'est la parole de Dieu. Ce fondement, c'est la Bible. Mais combien de fois tu es en connexion avec la Bible? Alléluia. Si aujourd'hui, dans l'avion, je dormais, alléluia, je vous assure que je n'allais pas avoir, n'est-ce pas, cette révélation. Mais parce que tous les jours de notre vie, nous devons être toujours, n'est-ce pas, en conformité avec cette parole. Nous devons toujours être en contact avec la Bible. Afin que cette fondation puisse être solide de jour en jour. Et que lorsque nous bâtissons sur ce fondement, alléluia, sur cette fondation, lorsque tu sors, lorsqu'on te regarde, les gens diront que ce monsieur, que cette femme, que ce frère qui est en face de moi est différent. Est différent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est différent? Parce que il y a un fondement, il y a une fondation qui a été posée par Christ dans ta vie. Le frère, tout à l'heure, dans son témoignage, a dit que je me suis marié dans les normes. Alléluia, alléluia. Il s'est marié selon la voix de Dieu. Alléluia. Avant même, n'est-ce pas, de connaître sa femme, il est parti d'abord se marier. Alléluia. Et lorsqu'il a connu sa femme, il a eu sa première fille. Pourquoi? Parce que la fondation qui était en lui était cette fondation qui avait été posée, pas par n'importe qui, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, souvent, j'ai l'impression que nous ne croyons pas que Jésus-Christ peut faire des merveilles dans notre vie. Souvent, j'ai cette impression. Voilà pourquoi, lorsque le
le geôlier, n'est-ce pas, avait vu que l'apôtre était sorti. Il a eu peur et il voulait se tuer. Et on lui dit, il se met à Dieu, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, c'est pas de l'amusement, c'est de la vérité. Amen. Tu seras sauvé. Tu vas voir que ta vie va changer, mon frère, ma soeur. J'ai eu cette opportunité, n'est-ce pas, de connaître une autre religion avant celle-là. Alléluia. Avec Christ. L'autre côté, n'est-ce pas, c'était pas ma propre force. Il fallait que je fasse tout. Je ne sais même pas, je n'étais même pas sûr que j'allais être sauvé. Alléluia. Mais de temps en temps, les choses marchaient dans ma vie. D'une manière, n'est-ce pas, ponctuelle. Alléluia. Mais aujourd'hui, avec Christ, il te dit que tu es, que ton corps, que tu es son temple, que tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu es ce temple-là? Parce qu'à l'intérieur de ce temple-là, ce fondement a été posé. Et si ce fondement a été posé dans ce temple-là, mon frère, ma soeur, tu as la capacité, tu as le pouvoir de bâtir des choses qui honorent Dieu, qui honore Christ. Tu ne feras même pas un effort. Tu le fais parce qu'il y a une fondation. Parce que Christ vit en toi. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Ne tournons pas à rond dans notre christianisme. Matin, midi, soir, dans les problèmes. Alléluia. Lorsque tu dors, lorsqu'on dit que tu es dans les noix, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de Satan. Mais Christ vit en toi. Tu as peur du démon. Mais Christ vit en toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un chrétien ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire, tu n'es pas un homme ordinaire, tu es extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Avant que la servante de Dieu puisse intervenir, je n'ai pas envie de prendre tout son temps. Mais je suis là ce soir pour vous encourager de prendre cette relation que vous avez avec Christ. C'est ce qui fera de vous de grandes femmes. C'est ce qui fera de vous de grands hommes. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le fait que vous êtes assis ici qui fera que vous serez de grands hommes, vous serez de grandes femmes. Ce n'est pas ça. C'est cette relation, c'est cette fondation qui est en vous. C'est la seule chose. Et on viendra vous prêcher n'importe quoi. On viendra vous dire que Dieu est amour. Ce n'est pas faux, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait venir son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé. Et il dit, il n'est pas venu pour juger le monde. Oui, il n'est pas venu pour te juger, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a fait, il y a une fondation qu'il a mis en toi. Mais il est venu pour que, si tu laisses Christ prendre le contrôle de ta vie sur la fondation, tu ne seras pas n'importe qui. Sur la fondation sortira des choses merveilleuses qui vont honorer Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce soir au nom de Christ Jésus.